Vous souvenez-vous de mon let's play sur Shadow Warrior l'année dernière? Eh bien, après le carnage, il est temps de passer au nettoyage. Hey! Salut tout le monde, c'est Reaper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu que j'ai eu en achetant Shadow Warrior sur Steam. C'est Viscera Clean Up Detail Shadow Warrior. Et du coup, Clean Up. Artwork, voilà. Et si je vais merde, ma voix est partie en couille d'un coup. Alors, il me semble que c'est un jeu, j'en ai déjà entendu parler en fait. C'est un jeu de nettoyage, voilà. Et la sensibilité de la souris est immense. Et les touches sont mal configurées. je reviens. Alors, what the fuck? On va refaire ce balai. Donc on est dans le temple de Zilla et on doit nettoyer toute cette crasse là. Que laisser le Wang derrière. Alors par contre, j'ai pas un truc pour genre nettoyer le sous. Parce que là mon balai est déjà crade en fait, il me semble que si. C'est affreux, la sensibilité est ignoble. En plus, je me suis pas fight là, moi je me suis fight là. On va le prendre. Sympa. Non, je peux pas le lancer. Genre. Ah, c'est pas ça mon truc pour nettoyer le balai? Genre, j'ai un truc pour nettoyer le balai, non? Donc, c'est vraiment là. Mais oui, mais il est où le truc pour nettoyer le balai? Putain, il y a vraiment tout le temple en plus. Alors, je sais que c'est un vieux jeu. Je sais que vous dites, mais pourquoi tu fais ça? C'est juste un jeu à la con que t'as eu en achetant Shadow Warrior. Oui, mais il y a le 2 qui arrive, donc j'en ai rien à foutre. C'est la hype. Voilà, let's play co-op sur Shadow Warrior 2 et... Oh my god. Le pistolet. Ouais. Et c'est la hype et puis voilà. C'est tout. Et du coup, j'ai envie de nettoyer, mais le truc, c'est que je ne comprends pas ce jeu. Comment on y va? Oh, sympa. C'est pas là, c'était pas comme ça quand je suis parti, moi, personnellement. Oh! L'incinérateur, je crois qu'il faut que j'y mette les cadavres et tout. Oh là là, ça va être ignoble. Hey buddy, you don't look so good. Ouais, c'est ça. Oh, la sensibilité de la souris! Du coup, il va falloir que je prenne ces trucs. These boots were made for walking. Oh, wow, wow, wow! Wow! Alors, je sais par contre qu'il y a la valise avec les frics, mais je peux aller. God, it's not broken. Ah, peut-être en haut. Le saut. Putain! Mais comment je fais pour avoir un saut bien rempli? Attendez, on va essayer. Ok. Yes, putain. Oh, exploit olympique. Et là, je peux nettoyer, voilà.
Par contre, moi je vais à la recherche de mes 2 millions de dollars. En plus, je joue à, apparemment un mec qui a 55 ans qui nettoie avec un balai chelou, avec un, on dirait une espèce de toulou chelou avec un bambou. Hein. Parce que non, les balais en bois c'est trop classique. Maintenant, faut des balais en bambou, ce sera mieux. Par contre, tout ramasser tous les morceaux, ça me casse les couilles en fait. En plus, il y a un trophée pour nettoyer tout ce putain de manoir quoi. Hein. True story. Et il y a des pièces qu'on n'avait pas vues. Genre celle-là. Qui mène à où d'ailleurs? J'explore avant de nettoyer. Hein, Vous allez me dire, mais t'es un branleur, tu fais pas ton boulot. Oui, bah. Bon, ça mène à un cul-de-sac. Ah, mais la machine a été là. Mais vraiment, cette sensibilité de souris est atroce, quoi. Et puis ce balai a une forme chelou. Et puis le fait que ça se balade quand tu fais ça. C'est encore plus chelou. Ouais, donc oui, il y a la hype de Shadow Warrior 2 qui s'installe lentement mais sûrement. Et voilà, je pouvais pas m'empêcher de tester tout ça. Donc voilà. Et merde, je fais des empreintes de sang, donc du coup je rajoute du boulot. Oh! Allez, on nettoie. On s'en fout des cadavres, on les pousse. Mais c'est passionnant quand même un jeu comme ça. Hein. Parce que si tu sais pas comment t'es juste derrière, bah t'es dans la merde en fait. Enfin bref. J'imagine si le mec, tu sais, il doit passer autour des. Je sais plus, il y a combien de 18 chapitres, il me semble, sur Shadow Warrior 2. Et qu'il doit nettoyer tout ça, tu sais. Genre, même en enfer, il doit y aller et il doit nettoyer. J'imagine le truc, tu sais. Putain, le Wang, fils de pute! Je te déteste! Ça va être génial. J'aimerais bien casser les couilles du nettoyeur comme ça et puis. En vrai, là, ce que tu fais, c'est pas un peu illégal parce que t'es en train de nettoyer une scène de crime, enfin. Techniquement. Ouais, je m'en fous des cadavres, je vois des shurikens qui traînent, tout, ouais. Genre, ça aurait été encore plus sympa si ça a repris ta sauvegarde selon ton bordel que t'aurais fait. Non, je sais pas où c'est. Oh non, mon seau est sale. Putain. Ouais, mon seau est sale, il m'en faut un autre. Putain. Ouais. C'est génial. Galérer juste pour sortir un putain de seau quand même, hein. Faut le faire. Hein. En tout cas, en plus, j'ai pris le même. J'ai mis la même résolution que pour Dissonant, t'as 1080p 100 fps, donc là vous aurez un truc méga fluide pour passer des coups de balai. C'est génial. Je peux pas faire plus fluide pour un jeu de ménage quoi. On dirait la vraie vie. Mais c'est vrai que enfin encore je comprends que certains jeux essayent de sortir un peu de certaines routines en faisant pas la même chose, mais un jeu de nettoyage, là par exemple, j'en ai déjà ras le cul, j'ai envie d'appuyer sur F10 pour couper mon enregistrement et puis de plus en parler. Mais vu que je vais parler un peu de Shadow Warrior 2, et eh ben. J'ai pas le choix. Il faut du gameplay par derrière. J'ai pas envie de montrer que juste ma sale gueule. Du coup, ouais, Shadow Warrior 2, donc la date a été annoncée, ça y est, c'est bon, il sort le 13 octobre. Donc on peut déjà le précommander sur Steam, c'est des choses que j'ai faites. Et le jeu est déjà dans ma liste de jeux Steam, et du coup, dès le 13 octobre, à une certaine heure, on sait pas laquelle, et ben le jeu pourra
sera disponible, et à ce moment-là, eh ben, on pourra tous profiter d'un magnifique FPS, le second de cette année. Et du coup, voilà. Alors, Shadow Warrior 2, donc comme j'ai dit, je ne serai pas tout seul pour le faire, hein, vu que c'est de la coop. Putain, cul. Vu que c'est de la coop, ça serait un peu con de faire un jeu coop tout seul. Et du coup, je serai accompagné pour l'instant uniquement de Kraken. Alors, je pense pas que ça va changer parce qu'on va faire le jeu sur PC. Parce qu'il faut en fait la version console sortira plus tard sur PS4 et Xbox One sortira début 2017. Donc, il est pas prêt de sortir. Mais déjà, on a déjà la version PC. Et en fait, je pouvais vraiment pas attendre en fait. C'est vraiment, j'étais vraiment impatient, tellement impatient que quand j'ai vu le trailer, j'ai fait regarde Badis, il nous le faut quoi. Et du coup voilà, il va partir se précommander, il me semble dans la semaine. Donc du coup voilà, on va faire un beau let's play. C'est lui qui enregistrera, c'est lui qui montera. Donc ça va un peu me changer les idées. Non, je déconne. Juste derrière, j'ai une autre chaîne à plus de 240 abonnés à bosser dessus. Donc en soi. C'est juste que je vais pas bosser à 80%, enfin 80% sur deux chaînes, je vais bosser juste sur une chaîne à 100% quoi. Et du coup voilà, donc la hype de Shadow Warrior 2 est là, et pour tous les petits connards qui veulent déjà le comparer à Doom, pour moi les deux jeux sont complémentaires, parce que vous voulez de la coop dans Doom, bah vous prenez Shadow Warrior. Ouais. Les deux sont quasiment similaires. Même les devs le disent, qu'ils veulent. C'est pas un concours, hein. Ils sont. Bah, Devolver sont potes de toute façon, parce qu'ils étaient présents à la QuakeCon cette année. Donc, du coup, je vois pas pourquoi ils s'affronteraient. Et puis, pour tous les encore plus gros connards qui comparaient ça à tout ce qui est COD, Titanfall et BF qui sortent, lors à peu près de la même période, je crois une semaine après, ou deux pour certains jeux. Alors là, c'est vraiment. Tché, je vous souhaite que le tché, parce que vraiment ça n'a rien à voir. Mais je suis content dans le sens où en fait, je devais faire un débat sur les FPS, que du coup il y a de fortes chances que je referai pour vous le sortir ce mois-ci en septembre. Et en fait, dans ce débat, j'avais posé une question, mais qu'en est-il du FPS old school? Est-ce qu'il pourra un jour revenir comme une alternative au shooter moderne? Type classique quoi, voilà. Et la réponse de nous trois au début, dans la version qui est buggée en termes de son, c'était que non, tout simplement parce que les goûts et les couleurs des joueurs d'aujourd'hui ont changé, hein. Et du coup, au final, heureux d'apprendre que je me suis trompé. Parce que vraiment de plus en plus de jeux et surtout de plus en plus de indépendants, enfin de studios indépendants se mettent à la mode du FPS old school plutôt qu'au FPS moderne. Ça c'est plutôt cool parce que le FPS moderne peut être parfois chiant comme la pluie. Et du coup ça donne des petits jeux qui vont sortir, comme par exemple de chez Devolver aussi, arrête de siffler, ferme ta gueule. De chez Devolver aussi par exemple, bah il y a Strafe qui doit sortir en début d'année 2017 sur PC. C'est un espèce de simulateur, donc c'est un quake-like. Il y a Dusk aussi qui doit sortir en 2017, qui est développé par un studio indépendant dont je connais plus le nom. Et pareil, c'est un quake-like. Et du coup, voilà, tous ces... Il y a aussi Black Room qui doit sortir en 2018. Lui, c'est un jeu développé... C'est quoi ça? Donc Black Room, c'est un jeu développé carrément par Romero et comment il s'appelle? J'ai plus de saut. Putain. Et je sais plus comment il s'appelle du tout. Mais c'était deux anciens développeurs de chez id Software. Et c'est un FPS pareil, old school, type Quake. Et il y a également Quake Champions qui va revenir en parlant de Quake, tout voilà. Et ben tout ça, ça me fout une hype pas possible. Parce qu'en souhaite. Enfin, parce qu'en soi, tous ces jeux-là sont. Aujourd'hui, ils sont pas compris, je pense. Dans le sens où vraiment. Ah putain, il y avait un saut là!
Dans le sens où en fait... C'est quoi cette musique? Oh! Bref, et du coup dans le sens où... de base j'avais répondu à la question non, c'est pas possible, le FPS old school restera old school et il y aura peut-être des micro clins d'œil à ça, mais c'est fini. Duke Nukem 3D fait également son retour dans une édition World Tour avec un nouveau chapitre similaire, donc je l'avais oublié. Donc vraiment, je suis content. Il y a aussi UT, hein, Unreal Tournament, même si je suis plus Quake que UT, mais voilà. Et vraiment, ça me hype de fou parce que du coup, ça veut dire que c'est pas Doom qui a été réellement le déclin, le déclic des développeurs. Je pense que c'était surtout Rise of the Triad et Shadow Warrior. Puisque les deux sont sortis en 2013 et puis après 2014-2015 ça a suivi, hein, il y a eu Wolfenstein, il y a eu Doom, Shadow Warrior 2, enfin bref. Et vraiment, moi ça me fait kiffer, ça me fait bander dans le sens où vraiment tous les joueurs ne comprennent pas ce style de jeu, tous les joueurs se disent mais pourquoi il n'y a pas de scénario dans ce putain de jeu, pourquoi le scénario est aussi con qu'un scénario que ferait un gamin de 12 ans pour un film. Et ben en fait c'était ça la belle époque, et c'était ça à l'époque, et ça c'est une époque où vous connaissez pas, et du coup vous avez raté quelque chose. Et voilà, c'est... Et quand tu vois le test de jeuxvideo.com par rapport à Doom, bah t'as envie de pleurer de rire, parce que justement tu remarques que les journalistes ne comprennent pas du tout la notion de old school et ne comprennent pas le principe du projet lui-même en fait. C'est même pas le jeu, c'est le projet depuis le départ. Et t'es censé être un gros clin d'œil et puis censé être un reboot de Doom, donc c'est-à-dire un jeu sans scénar. Enfin, pas sans scénar, mais avec un scénario de type très, très simpliste et sans plus quoi. Et du coup, ça, ils l'ont pas compris et c'est un peu décevant de la part de journalistes. Surtout, c'est encore plus décevant le fait qu'ils aient filé leur test à apparemment un ancien stagiaire. Donc, voilà, je veux pas cracher sur jeuxvideo.com, mais c'est juste un exemple comme quoi l'FPS Old School n'est pas compris aujourd'hui. Ah, mais je peux nettoyer là. Putain, en plus, c'est une source gratuite. Ouais. Et comme quoi les FPS en fait old school ne sont pas compris aujourd'hui. Et du coup c'est pour ça que j'avais répondu non à la question dans le sens où pour moi les FPS old school, vu qu'ils n'étaient pas compris, ils n'avaient pas leur place. Et au final j'ai l'impression que beaucoup de devs veulent s'y remettre. Et ça c'est complètement louable et complètement cool à... C'est quoi ça? En fait c'était vraiment un truc que je pouvais prendre, je savais pas. C'est aussi un balai. En fait, c'est la musique du jeu qui passe. Et ça, en fait, c'est tout ça, c'est... Enfin, voilà, quand j'ai vu les avis sur Doom de certains, c'était à mourir de rire, parce que les mecs comprenaient pas le projet, comprenaient pas l'intérêt du jeu. Et maintenant qu'il y a Shadow Warrior 2 qui va sortir, on va pouvoir enfin voir ce que vaut la suite de Shadow Warrior, quoi, qui était vraiment excellentissime. Et apparemment, surtout, il y a beaucoup de procédural dans le jeu. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. C'est quoi ça? As you jaded work here, mate, the requirement of the company as well. I wish I could do more for my company, give me more paperwork. I am proud of the president. Ok, c'était pour partir. Ah, je suis viré. C'est quoi ces balais chelous là? Moi j'ai un balai comme ça, honnêtement. J'aime... C'est quoi ça?
C'est... Enfin, je sais pas, je comprends pas ce jeu. D'ailleurs, sympa, hein, mais il a l'air chiant comme la pluie au bout d'un moment. Le bâtard qui voulait me faire virer depuis longtemps, tu sais. Oh, putain. Mais c'est vrai que... Voilà, la hype pour Shadow Warrior 2 est présente, que c'est vrai que il va y avoir encore une mise à jour pour le Doom, donc du coup le Doom on va refaire son apparition sur la chaîne. Il y a encore Doom 3 que je dois faire, parce que je l'ai complètement oublié, parce qu'en fait j'ai un peu souci avec Fraps. Faut savoir que normalement j'enregistre avec Shadowplay, donc là j'enregistre également avec Shadowplay, qui est un logiciel sur le logiciel Nvidia en fait. Et comment dire? Fraps ne détecte, enfin, Shadowplay ne détecte pas les vieux jeux et détecte les jeux uniquement quand ils sont en plein écran. Du coup, bah, j'essaie avec Fraps, mais Fraps me fait un bug de son, c'est-à-dire ça fait des espèces de chelou comme ça, surtout quand je tire. Et du coup, c'est dégueulasse et c'est gavant. Alors, du coup, voilà. Et du coup voilà. Et enfin voilà, donc c'était une vidéo sur Viscera Cleanup, dit-elle. Hein, après le carnage, le ménage. Au final, j'ai plus foutu le bordel qu'autre chose avec mes empreintes de pas de sang partout et tout ça. Mais c'est pas grave. Enfin bref. Merci d'avoir regardé, je pense que ça vous aura plu. J'espère que vous ressentez aussi la hype qui est présente. Et puis, moi je vous dis du coup au 13 octobre pour le départ de Shadow Warrior. D'ailleurs, ça tombe quand le 13 octobre? Je vais regarder. Alors, désolé, c'est un nouveau portable, du coup, je trouve pas la fonction calendrier en fait. Voilà. Le 13 octobre, c'est un jeudi. Ça tombe en fin de semaine. Parfait. En bref, merci et à la prochaine.